Dieu. Amen. Et ce soir, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir celui qui est pour nous un père, un père à la foi, un père à la foi, qui vous dit, le pasteur Israël Saint-Messie, qui va nous accompagner.
celui qui t'honore, celui qui ne parle pas de lui-même, vient parler de toi. Parler de toi pour que tous ensemble nous soyons édifiés dans notre très sainte foi. Père, le messager n'est pas plus grand que le message. C'est toi qui es grand, si grand que tu es incontenable. Seigneur, toi que nous pouvons lire cette parole dans des tablettes, sur du papier blanc, l'encre noire, elle ne contient pas, mais le reste est ta parole. Ta parole qui a franchi. Ta parole qui libère, ta parole qui rend sage l'ignorant. Et tu as déclaré, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Que nous bénisse. Par elle, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Pour toi. Sache-moi, frère et sœur,
c'est le tour des Africains de venir apporter le rejet. Amen. Seigneur, ces missionnaires là qui sont des tombes, guérissez-nous. Moi, lorsque je vois les tombes de ceux-là qui sont partis de l'Europe, qui sont partis d'Amérique, qui sont partis de l'Allemagne, qui sont partis d'Angleterre, je vois les tombes chez nous. Mais pourquoi ma tombe ne peut pas être ici en France? Parce que je suis venu apporter l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi pas? Que l'on soit ainsi. Que l'on soit ainsi. Amen. Amen. Et sache qu'il y a un grand vent qui vient de l'Afrique vers l'Europe. Amen. Ce vent, ce ne sera pas le vent d'immigrants, mais le vent qui va apporter l'évangile. Amen. Pour que les vies soient transformées. Alléluia. Et que les vies soient changées. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Vous avez des salutations de ma chère épouse. J'en ai qu'une, sœur. Elle n'est pas une comme si elle était parmi elles toutes, hein, comme si elle était parmi les autres. Elle est là. La sœur. Elle n'est pas seulement belle, mais elle est bonne. Bon, il y a quelqu'un qui a dit, lorsque vous voyez un homme qui est fort, qui fait des exploits, c'est qu'il est assis sur le rocher qui est Jésus et qui est assis aussi sur la pierre qui est sa femme. Amen. Alors vous voyez votre pasteur, il y a la pierre à la maison.
Et nous viendrons lui faire. À la base, si on peut regarder les autres qui sont là, ça c'est le patriarche de tous les archois ici en France. Hein, on va dire pas si qui est là, mais vous le faites, nous voulons le saluer. Qui ont parlé, il faut écouter, il faut écouter. La parole de Dieu est un diamant à plusieurs facettes. Et c'est une forêt pour que lorsque vous écoutez les autres, vous priez. Vous savez, nous les prédicateurs, il y a un danger, c'est que des fois, lorsque quelqu'un ouvre un verset biblique, vous lisez déjà péché. Et moi, mon attitude a toujours été, Seigneur, enlève tous mes présuppositions. Je me réécouter à la manière de disciples. Amen. 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 Ici, le thème, le grand thème, c'est le thème qui se trouve dans Luc 17, le verset 21. C'est le grand thème de cette conférence. Qui est là, mais nous voulons les pharisiens qui demandent à Jésus. Nous lisons les textes de base. Pourrions-nous nous lever ensemble, s'il vous plaît? Luc 17, le verset 21. Nous lisons, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Donc le texte est Matthieu. Matthieu au chapitre 1, verset 1er, et le chapitre 2. Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er. La généalogie. Des fois, vous avez de la peine pour lire. Hein, c'est embêtant. Mais vous allez comprendre le pourquoi de ce qui est là. Amen. Amen. Nos bien-aimés ont parlé, mais nous voulons arriver ici. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham, nous disons Amen. Amen. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Wow. Mais qui est venu le premier? C'est pas Abraham. Mais pourquoi on doit mettre David d'Abraham? Et c'est le Saint-Esprit qui a fait une erreur. Comme la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit pour enseigner, pour corriger. Certaines choses doivent être corrigées. Amen. Le chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, souligné, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
Tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et sont-ils soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur ce petit. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. Non. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit temple. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et ils entrèrent dans la maison. Puis le petit enfant avec Marie sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et du myrrhe. Puis divinement averti, en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par notre chemin, nous disant amen et pour asseoir. Et nous acclamons la parole de Dieu. Que nous voulons toucher ce soir, on a parlé du royaume, mais nous voulons parler de l'influence, le roi fils et son influence. Selon le texte que nous venons de lire ensemble avec vous, nous voyons que le royaume, la question des pharisiens. Et qui sont les pharisiens? Les pharisiens étaient des chefs religieux, ceux-là qui croyaient à la résurrection, qui n'étaient pas comme les sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection. Et ils faisaient partie aussi de cette grande cour qui jugeait tout ce qui est matière religieuse. Et ces pharisiens demandèrent à Jésus: quand viendra le royaume de Dieu? Et il leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Frapper le regard veut dire tout simplement que le royaume de Dieu, dans cette partie du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu est comme une monnaie à double face. Les Juifs, ils attendaient un Messie glorieux. Mais ils oubliaient qu'avant même que le Nouveau Testament ne soit écrit, les apôtres n'ont pas prêché le Nouveau Testament. Si vous connaissez ça. Ils ont prêché l'Ancien Testament. Et tout ce qu'ils ont prêché, nous le trouvons dans l'Ancien Testament. Dans Zacharie, il est dit, le roi vient, il est humble, monté sur l'âne. Mais de l'autre côté aussi, un autre roi monte sur le chevau. Qui viendra? Celui qui monte sur le chevau, il vient comme un conquérant. Mais celui qui monte sur l'âne, c'est un roi humble. Humble qui vient. Et la Bible nous dit que ce royaume ne vient pas d'une manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici, il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le milieu de vous, parmi vous. C'est ça, ce que nous voyons notre grand âme. Mais l'influence du roi, on ne peut pas parler du royaume sans connaître le roi et sans parler du roi lui-même. Qui est le roi de ce royaume de Dieu? Lisez avec moi dans les psaumes 115.
Psaume 115, le verset 15 jusqu'au verset 7e. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait le ciel et la terre, c'est Dieu. Les galaxies, les visibles et les invisibles, c'est Dieu. C'est que c'est lui le roi créateur. Dis avec moi, le roi créateur. Le roi créateur. Le roi créateur de toutes choses, des visibles et des invisibles, des trônes, des dignités, de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. C'est celui qui est le roi créateur. Ah, écoutez, le verset 7e. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Il y a une planète que Dieu n'a pas donnée aux anges. Mais il a donné au Fils de l'homme. Quand? Il a donné au Fils de l'homme pour que nous puissions saisir la portée du royaume de Dieu, pour que nous puissions comprendre qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous devons nous ramener dans le commencement. Amen. 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 Je bénis Dieu pour ce que nous avons entendu ici, de dire waouh, waouh, Seigneur, ces choses, vous savez. Si on pouvait dire aujourd'hui à Paris, il y a une conférence quelque part là-bas où on va prier pour la destruction des hôtels, on va parler pour que vous ayez votre travail rapidement, et aller là-bas, vous allez recevoir une bénédiction instantanée. Moi, je crois que même dehors, ce serait plein. Mais je crois que moi, je n'ai pas besoin de nombre. L'église d'où je viens, de l'Arche de l'Alliance, qui a maintenant notre 30e année, c'est cette année, nous avons commencé avec des petits, des tout petits, des enfants, des jeunes hommes. Je n'ai jamais été excité par la masse. Je préfère mieux m'investir sur un petit qui va être un danger pour ce monde. Amen. Et m'investir à un grand nombre qui sera peut-être de mouchard. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Pour comprendre le royaume dans sa dimension terrestre, c'est-à-dire ce qui concerne la terre, nous devons savoir ce qui s'est passé réellement, réellement par Dieu. Dieu lui-même s'est retrouvé. Dieu avait un but. Dieu ne fait pas les choses pour les faire. Il y a un adage chez vous en France, et pour les Français, qui nous dit qu'une vie sans but, c'est une vie ratée. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Le livre de Proverbes nous enseigne qu'il fait tout pour un but. Dieu ne fait rien de hasard. Dieu a un but. Il poursuit un but. Même en créant l'humanité, celui qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui seul qui connaît la fin de toutes choses. Et pendant ce temps que nous sommes là, même s'il y a des grands qui s'élèvent, c'est pourquoi nous sommes restés dans notre pays. Et nous resterons là jusqu'à voir les empires tomber et descendre, comme Daniel a vu, jusqu'à ce que l'établissement du royaume de Dieu se manifeste. Amen. 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 Dieu s'est trouvé en lui-même et il a pensé lui-même. Et en lui-même, il est allé ensemble pour dire, mais qu'est-ce que nous sommes? Nous voulons élargir notre famille. Nous voulons élargir notre famille. Nous trois seulement, ça ne nous suffit pas. Et Dieu a pensé, faisons l'homme
à notre image et à notre ressemblance. C'est Dieu qui pense. Faisons l'homme. L'homme, par définition, c'est Adam. Avant même qu'il ait créé la terre, il voit l'homme terre. Adam, c'est la terre. Et Dieu, quand il a pensé, d'abord, avant de créer l'homme, il va créer toute chose. Lorsque vous lisez le chapitre 1er, comme nous avons entendu ici, la Bible se résume seulement dans ces deux chapitres. Le chapitre 1er, c'est le plan de Dieu. C'est lui-même qui pense. Il dit au commencement, Dieu. Il est hors de temps, mais il entre dans le temps, même son fils. Pour venir ici dans ce monde, la Bible nous dit que Christ entrant dans le monde, c'est qu'il était quelque part. Et la Bible déclare que Dieu a créé toutes choses. Quand il a fini de créer, le sixième jour arrive, la Bible nous dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il a créé premièrement la lumière. Dis avec moi la lumière. La lumière, ce n'est pas cette lumière. Il a créé la lumière. La lumière, le mot lumière en hébreu veut dire or. O-R, comme l'or. Dieu a créé la lumière. Il a dit les ténèbres couvraient l'humanité. Il y avait un tohu-bohu, un chaos. Et quand Dieu a vu, lui-même a regardé, il va se dire que la lumière soit. Et la lumière fut. Et il trouva que la lumière était bonne. Et il a séparé la lumière avec le ténèbre. C'était le premier jour. Et il va continuer. Séparer. Jusqu'au sixième jour, il va dire, faisons l'homme à notre image, à notre... Dans toute la création, Dieu a parlé. Mais quand il va arriver à l'homme, Dieu va se salir les mains avant que l'homme ne soit sale. Avant que l'homme ne soit sale, qu'il ne salisse la réputation du royaume, Dieu va le toucher. L'unique créature. C'est pourquoi vous ne convenez pas d'un singe. La théorie de l'évolution, c'est une théorie des gens qui sont malades psychologiquement et intellectuellement. Malade. Parce que lorsque vous ne connaissez pas, vous venez, c'est fini, vous allez importer des théories. C'est ce que Darwin a fait. Il y avait même une ville sur vous, Darwin. Et la Bible nous dit que Dieu a pris la terre. Il a façonné. Et la Bible nous dit, dans les psaumes 94, c'est français, n'est-ce pas? C'est nous les pères de 94. La Bible nous dit que Dieu a façonné tout. Il a placé l'orbite des yeux, il a placé la bouche, il a placé tout. Mais il n'avait pas la vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu et il a touché une partie que la réanimation fait aujourd'hui, le scouting fait aujourd'hui. Il a placé le souffle. Il n'est pas dit qu'il a placé l'oxygène. Mais il a placé quoi? Le souffle. C'est-à-dire que ce souffle-là, qu'on appelle Roua, c'est lui-même. Ce que Dieu a placé dans cette masse de terre, c'est lui-même. Il se met, il dit, pouf! Et quand Dieu souffle dans l'homme, les yeux commencent à voir, les oreilles commencent à entendre, même le rein commence à se former. Et il voit une personne ici. Et le test de la connaissance qu'il a donné à cet homme, Dieu l'amène devant la création qu'il avait créée avant lui.
et dit, donne de l'eau. Waouh. Donne de l'eau. Dis avec moi, donne de l'eau. Donne de l'eau. À toute cette création. Vous savez, celui qui donne le nom à quelqu'un, c'est celui qui a le pouvoir et l'autorité sur la chose, qui porte le nom. Donne le nom. Et l'homme a commencé à donner le nom aujourd'hui à chacune de création. Et quand il donne ses noms, ben il a été dans quelle université? Il a été dans quelle école? Dieu, la source de la sagesse. Comme la Bible nous dit dans Job, le chapitre 32, le verset 6, il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, en vous, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne quoi? L'intelligence. Et la Bible nous dit que l'esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Je vais nous poser la question suivante. Vous qui me regardez, nous nous regardons ensemble là. Qui êtes-vous? Posez la question à quelqu'un. Qui êtes-vous? Posez la question à quelqu'un. Posez la question à quelqu'un. Je ne dis pas important, parce que l'indispensable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, nous sommes des esprits dans un corps que Dieu a placé. Amen. Dieu nous a placés dans un corps. C'est-à-dire, Dieu lui-même est venu, il est venu se placer là, son royaume. Son royaume, le royaume, comme nous avons entendu la définition hier, par le pasteur Noël, c'est la sphère où Dieu contrôle, où Dieu règne, où Dieu dirige, où Dieu agit. C'est cette sphère-là de Dieu. Et Dieu n'agissait pas seulement comme aujourd'hui on peut penser que Dieu est partout. Il est partout, mais il n'est pas en tout. Amen. 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 Nous devons donc mettre des bases sur ce qui est du royaume. Pour qu'en sortant d'ici, moi je vous vois dangereux. Amen. 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 Je vous vois dangereux. Le dangereux non pas seulement pour ceux qui sont plastiques. Pour ceux-là qui portent des histoires pour aller s'exploser. Mais je vois en vous, je suis en train de prier que ce que nous parlons maintenant, que là dans votre tête, que ça fasse un pouf. Amen. Quelque chose entre là. Que vous soyez une personne, même quand vous êtes quelque part, comme nous venons d'entendre, un vent qu'on ne peut passer ici. Amen. 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 Il y a les différentes sortes de vents. Amen. Il y a les deux qu'on appelle Catherine. C'est lui qui était dernièrement ici, on m'a mal dit seulement. Non, non, on peut quitter là-bas. Parce qu'on ne contrôle pas. Amen. Amen. C'est là le début du royaume. C'est-à-dire Dieu qui est venu habiter lui-même. Dieu avec nous, il n'était pas dans toute la création, mais il est venu habiter où? Dans l'homme. C'est-à-dire que le royaume existait dans Adam. Et ce royaume devait
aller croissant, 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 croissant. Et nous trouvons les explications de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, il dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, nous sommes transformés de quoi? De gloire. Gloire. De gloire. Gloire. Ça c'est que Dieu veut. Notre Dieu n'est pas un Dieu stagnant. Un Dieu qui nous transforme de gloire en gloire. Il a placé son souffle de vie dans l'homme. Il a placé le royaume dans l'homme. Et il a dit à l'homme, d'abord, avant que Dieu ne dise, que soyez, il a dit d'abord, Dieu le bénit. Et avec moi, Dieu le bénit. Dieu le bénit. Mais d'où est la malédiction? Dieu a fait quoi? Levez votre main. Dieu le bénit. Levez votre main, c'est votre main. Hein, je sais que vous m'avez fait. Dieu le bénit. Et la bénédiction, c'est quoi? Vous savez, la bénédiction, par définition, ce n'est pas seulement bénédicte de la parole. La bénédiction veut dire donner à quelqu'un de moyens, des possibilités qui lui permettent d'accomplir le dessein pour lequel il a été créé. C'est la bénédiction. Mais la malédiction, c'est quoi? C'est-à-dire ôter à quelqu'un des moyens, des possibilités qui lui permettent d'accomplir le dessein de Dieu. Amen. Le but pour lequel Dieu lui a créé ici sur terre. C'est ce que les autres sont en train de faire pour leurs enfants, pour leur famille, pour leurs amis. C'est-à-dire donner à quelqu'un des moyens, des possibilités. J'ai dit à mes filles, j'ai 3 filles et 1 garçon. C'était un basketteur. Je dis, il est au United. Un basketteur. Et il joue tous les instruments ici. Je lui ai dit, mon fils, moi-même, j'ai grandi comme orphelin à 4 ans, mon père est mort. À 4 ans. On n'avait ni grand frère devant nous. Et les oncles qui étaient des oncles que vous connaissez chaque fois, on ne sait pas ici en Europe, souvent on parle chez nous, on parle de notre culture. Les oncles viennent, ils récupèrent. Même nous les enfants, on nous a mis de côté. Et quand on nous a mis de côté, ils ont pris. Mon père était sur une grande plantation de caoutchouc et des cacao, on vivait avec les Muzungu ensemble, mais à 4 ans, on était déplacés déjà. Vous savez, l'âge de la formation de la personnalité d'un enfant, c'est à 4 ans. Il y a certaines personnes qui sont désaxées à bas âge. Et nous bénissons Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il s'en occupera pas. Notre maman nous disait souvent, même si votre papa était vivant, il ne saurait pas satisfaire à tous vos besoins. Mais si vous avez Dieu comme père, le père des orphelins et le défenseur de la veine, lui vous prendra en charge. Et mon père, qui n'a même pas traversé son chef-lieu et sa province, parce que chez lui il y a des provinces, parce qu'il venait chaque fois faire des rapports à ses chefs, dans le chef-lieu de la province. Il n'est même pas arrivé au capital, dans la capitale. À Kinshasa, il n'est même pas arrivé. Je porte son nom, mais aujourd'hui, son fils, celui qui est le père, le vrai père, a pris en charge les continents, les îles, quelle que soit Asie, Australie, Amérique, Afrique, les îles, les quoi que ce soit, son fils passe par là. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller seulement chercher le Dieu qui vous donne le voyage. Vous voyagerez.
n'allez pas chercher un Dieu qui bénit, vous êtes bénis. Parce que lorsque Dieu a créé, il a dit soyez bénis. Il a placé le royaume. Et son royaume, c'est le royaume qui a pour fondement la justice et l'équité. Et quand Dieu a donné la terre à l'homme, il a dit qu'il a donné la terre au fils de l'homme, il a fait cela légalement. Dis avec moi, légalement. Parce que le trône de Dieu est fondé sur une jurisprudence. Dieu, lorsqu'il donne, il donne légalement. Mais pour reprendre cela, il doit reprendre aussi légalement. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Parce que c'est très important pour le royaume. Nous aimerions parler de ce roi dans le royaume avec cette influence. Et lorsque l'homme a péché, vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit l'homme a péché. Il est tombé dans le péché. Par choix. Dis avec moi, choix. Choix. Parce que la vie est faite de choix et de décisions. Il a choisi de désobéir à Dieu. Il a choisi. Vous connaissez l'histoire. Il a choisi. Ne dis jamais, vous savez, un jour, j'ai entendu l'évangéliste dire, un jour Satan viendra donner aux gens des coups pour leur demander, quand est-ce que vous m'avez vu? Moi, venez te dire ça. Vous aviez le choix, vous avez. Un des aspects qui fait que nous sommes à l'image de Dieu, c'est la volonté divine. Le choix que nous faisons, c'est un des aspects qui fait que nous sommes créés à l'image de qui? Nous ne sommes pas des robots. Des robots, on les programme. Mais nous n'avons pas été programmés. L'un des aspects qui fait que vous êtes, je suis et nous sommes à l'image de Dieu, c'est cette volonté-là. Et la Bible nous dit que lorsque l'homme est tombé dans le péché, il a perdu cette position. L'homme était créé prince. Le prince, parce qu'il y avait un roi créateur avec le roi fils au ciel. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous lisons, le plan de la rédemption de Dieu n'a pas été un plan de crise lorsque la situation est là et il va former le plan. Non, non, non. Dieu avait déjà formé parce qu'il est dit, l'agneau de Dieu a été préparé avant quoi? Avant la fondation. C'est qu'avant qu'Adam et Ève ne tombent dans le péché, Dieu avait déjà préparé le plan de récupération. Dis avec moi de récupération. Et ce soir, Dieu vient te récupérer. Dieu vient vous prendre là que vous êtes. Dites avec moi, Éphésiens, que vous puissiez saisir sa flèche. Nous sommes en train de mettre la fondation sur ce qui a été dit ici. Éphésiens, le chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père. De qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens, le chapitre 1er. Éphésiens 1er. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En qui? En Jésus. En Christ. En lui, Dieu nous a élus. Quand? Quand ça? Quand est-ce que Dieu vous a élus? C'est pourquoi David disait, lorsque j'étais une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Il a dit à Jérémie, avant même que tu sois façonné dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. C'est que vous êtes
êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, c'est un véritable Dieu. Ce n'est pas un hasard. Que vous soyez médecin, que vous soyez un avocat, considérez ça non pas comme une profession, comme une vocation qui vient de Dieu et vous serez différent des autres. Amen. Parce que lorsque vous êtes dans la profession, vous allez faire comme tout le monde. Mais lorsque vous comprenez que ici c'était le plan de Dieu, le royaume de Dieu qui voulait amener déjà avant la fondation du monde. Et il dit, pour que nous soyons saints, pour que nous soyons comment? Saints. C'est-à-dire le péché n'est pas dans la pensée de Dieu pour vous. Amen. C'est que le péché, Dieu lorsqu'il nous voit là, mais il va nous voir sans péché quand? Parce que la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le péché n'était pas dans la pensée de Dieu. Dieu nous voit saints. C'est pourquoi aujourd'hui, ne pensez pas saints. Ce sont des saints canonisés. Salut quelqu'un de lui, saint. Demande-lui son nom. Salut-lui, saint. Demande-lui d'abord son nom. Lorsque l'homme a péché, paf, l'atmosphère de la présence de Dieu était partie. Dieu était parti. Et quand Dieu a quitté, il n'a pas quitté totalement. L'homme est resté avec l'image de Dieu abîmée, détruite. Le royaume de Dieu n'était plus là. Il a perdu la gloire de Dieu, la présence de Dieu, glorieux de Dieu. Et quand tu l'as perdu, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par qui? Par Jésus-Christ, selon son grand plaisir. Voilà, vous allez continuer à lire. Lorsque vous lisez ce chapitre d'Éphésiens, le verset 3 jusqu'au verset 6e, 1, c'est le plan de Dieu. Le verset 7e jusqu'au verset 12e, c'est la rédemption par Jésus-Christ. Et le verset 13e jusqu'au verset 14e, c'est l'action du Saint-Esprit en nous. Les trois travaillent ensemble. Dieu a planifié le salut et son Fils pour récupérer la terre. Il est venu récupérer la terre, parce que la terre était pour le Fils de l'homme. C'est pourquoi dans le texte nous l'avons lu ensemble, Jésus-Christ, dans Matthieu, il est dit ici, Jésus-Christ, fils de qui? De David. Pourquoi David? Mais avant que David ne vienne, nous voulons commencer par Abraham. Ce sont des deux alliances qui sont très importantes pour le royaume. Abraham, Dieu l'appelle dans Genèse, le chapitre 12, de quitter sa nation. Après la mort de son père, Téhéran, Abraham a quitté Mésopotamie. Et ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Charan. Dis avec moi, Charan. Charan, c'est un endroit de petits fruits. Un lieu de petits résultats. Un lieu de petites récompenses. Un lieu de la médiocrité. Et la Bible nous dit que son père est mort là. Et quand son père est mort, Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta nation et va vers une nation que je te donnerai. Lisez cela dans Genèse 12.
Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. C'est là le fondement même du royaume. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est pourquoi il ne faut pas chercher la grandeur. Tu seras une source de quoi? De bénéfices. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Lisez avec moi la dernière strophe. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans notre version, il est dit en ta postérité. Toutes les nations de la terre. Il est dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Lisez avec moi Actes des Apôtres 17. Acte 17, verset 26. Le verset 26 nous dit ceci. Acte 17. Le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'où? Habitassent sur toute la surface de la terre et ont déterminé la durée, le temps et les bornes. Il a fait que tous les hommes issus d'un seul sang. Tous les hommes. Vous savez, je lisais un journal New York Times. Aujourd'hui, qu'on venait de découvrir que la plus petite partie qu'on appelle l'ADN, il y a des années, il y a à peu près 5 ans, vient d'un seul homme. La science découvre ce que la Bible a déclaré. Amen. 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 Tous les hommes qui habitent sur la surface de la terre sont aussi d'un seul sang. Je vais vous poser la question. Le problème, ce n'est pas le problème de la peau, mais le problème du sang. Yes. La terre, on a combien de couleurs? Hein? Combien? Il y a combien de couleurs? Okay. Et le sang? Hein? Et le problème qui se pose aujourd'hui, du racisme. Le racisme, c'est un complexe. Un complexe. De supériorité inutile. Et lorsque quelqu'un découvre ça dans la parole de Dieu, vous allez aimer toute la création. Celui qui est à côté de vous, vous allez l'aimer. Vous allez le voir, il est la créature de qui? De Dieu. Alléluia. Saluez quelqu'un, vous êtes la créature de Dieu. Le racisme, c'est être moins de voir chez nous. Il y a les autres, vous savez que chez nous, là-bas, dans une province, quand on a vu un blanc qui est tombé là-bas avec un avion, on a dépiécé ces blancs-là, on a mangé la chair. Ah, alors, je dis oui, oui. Je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas citer les noms, mais ils sont ici dans cette salle. C'est un complexe. Un jour, j'étais. J'ai ça. La veille de mes fonctions,
Je l'avais comme président de l'Assemblée de Dieu. Et dans une réunion avec des frères, vous savez que la plus grande mission du monde aujourd'hui, ce sont nos frères de couleur qui ont amené la mission dans le monde, qui est des autres couleurs comme nous là. J'ai posé la question, c'est cette couleur, comment elle m'a dit black. It's black. Il dit non, c'est noir. Et ça c'est. Et il me dit, what? Et je lui pose la question. I'm black. Oh non. And you are white. He said, no. Why you tell me I'm black? You have a complex. Pourquoi, frère, nous sommes en train de nous détruire pour rien du tout. Un jour, Dieu demandera compte à chacun. Il regarde, regarde. C'est pourquoi le Seigneur dira un jour, comme il a dit à Caïn, où est ton frère? Ces frères-là, en qui Dieu a mis le royaume, je l'ai détruit. Je l'étudie. Non pas seulement par l'âme, mais pas aussi par la langue. La langue est plus destructrice que les âmes. On peut détruire la vie de quelqu'un par des calomnies, des médisances. Et cette personne-là est brisée dans son cœur. C'est pourquoi il commence à braver. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Amen. Genèse 22. Et quand est-ce que cette promesse va être effective pour Abraham? Ce n'est pas seulement par la déclaration, mais par l'obéissance. Dis avec moi, par l'obéissance. C'est le premier point, par l'obéissance. Dis avec moi, l'obéissance. L'obéissance. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est le temps d'avoir un mot ici. Chapitre 22, je crois, verset 28. Verset combien? Comme Abraham a dit à son fils, ok, l'Éternel, le verset 15, vous connaissez ce qu'Abraham a fait, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Le fils de sa vieillesse, qui est sorti des entrailles, qui sont dans l'incapacité de concevoir. C'est qu'il y avait la mort. Dis avec moi la mort. La mort. La mort était dans les seins de Sarah. Et Sarah, un jour Abraham a rencontré un homme, alors qu'il venait de sa victoire, qui s'appelait Melchisedec. Je ne parle pas de Melchisedec qu'on parle aujourd'hui. Hein. Je parle d'un vrai Melchisedec. C'est lui qui est le roi de Salem. Et le roi de justice, le roi de Salem, le roi de paix. Quand il a rencontré, la Bible nous dit qu'Abraham a donné à Melchisedec la dîme de tout. Et Melchisedec lui a donné quoi? Du pain et du vin. Lorsque Abraham a pris seulement du pain, et qu'il a pris du vin, qu'il a mangé ce qui venait de Melchisedec, son ADN a changé. Abraham qui était incapable, il n'a pas pris des excitants.
Il n'a pas pris de produits pour... Non. Seulement en contact avec le vin et du pain. Abraham rentre à la maison. Isaac. Même dans votre vieillesse, certaines choses que vous avez connues dans votre enfance, vous n'avez jamais connues. Avec Dieu, il n'y a pas de la vieillesse. Amen. Dieu va le faire dans votre vie. Amen. Pendant votre vieillesse. C'est pourquoi il est dit dans Esaïe, il est dit, quand tu étais enfant, je t'avais porté. Jusqu'au chevet blanc, je serai le même. Vous comprenez, frère, ça? Jusqu'au chevet blanc, votre Dieu sera toujours le même. Et Jésus, il n'est pas hier, il est aujourd'hui. Abraham, quelque chose a changé. Et quand Abraham donne son fils, il n'a pas informé à sa femme. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire à n'importe qui. Il faut attendre l'accomplissement de Dieu. Pour que les autres voient et qu'ils s'étonnent. Amen. La Bible nous dit que Dieu a dit à Abraham, le verset 15, l'ange de l'Éternel apparut une seconde fois à Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai. Amen. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ces derniers. Amen. Lisez avec moi le verset qui suit, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as fait quoi? Tu as obéi. Alléluia. Amen. Dans quelqu'un, obéissez seulement. Obéissez seulement. Que vous allez voir le royaume se manifester dans votre vie. Obéissez seulement. Le problème, c'est pas comment ça va se passer. Obéissez seulement. Amen. Et vous allez voir comment le royaume de Dieu va se manifester. Amen. Sera influent. J'étais à l'hôpital, ma femme, votre dernière fille, Gracia Joyce. À sa naissance, à l'accouchement, vous savez, avec ce qui se passe chez nous, dans le monde, mais au moins ici, je vous le vois. Dans la salle d'accouchement, on l'a fait accoucher, je crois, juste après l'accouchement de Notre-Dame. Et dans l'accouchement, ma femme va attraper à une infection qui va se généraliser jusqu'à la méningite. Et elle attendait le bébé. Et on a amené ma femme dans la salle d'accouchement. Le médecin m'a demandé, bon, est-ce que nous ne pouvons pas intervenir par césarienne? J'ai dit au médecin, j'ai dit, vous allez attendre à 0h05, à 0h. Lorsque ça fait 5 minutes, vous pouvez intervenir parce que c'est Dieu qui a permis qu'elle passe par ces moyens. Comment nous pouvons attendre la semaine? Non, attendez. Et on était déjà 23h. Et je faisais les pas à l'hôpital. Vous savez, il y a des fois où vous n'avez pas de mots dans votre cœur. Le Saint-Esprit intercède en nous par les soupirs et les soupirs. Vous n'avez pas de parole, mais laissez-lui parler. Des fois, nos cris n'influencent pas Dieu. Mais votre cœur peut influencer. Amen. Et c'était ça. Et l'enfant est venu au monde. Et quand le bébé est venu au monde, on l'a fait entrer à Nonatal. Vous connaissez ça? Moi, je pas tous ces termes, les docteurs connaissent. On a amené l'enfant
Parce que quand l'enfant est venu brisé, la sainte femme qui voulait prendre l'enfant l'a pris par la tête. Et puis c'est liquide amniotique qui circule la tête, circulait d'une manière contraire. C'est-à-dire lorsque ma fille regarde comme ça, oh, elle est en train de regarder là. Et le médecin, vous connaissez, pour ceux qui sont à la médecine, on déclare la mère sera bien, cette fille anormale. Et ma femme, on l'a ramenée à cause de cet état de la méningite. Elle est passée trois fois le commande, trois jours, elle est sortie, trois jours, elle est sortie. Et le troisième jour, elle était là. J'étais entre ma femme et ma fille. C'est-à-dire entre les portiques et le ténèbre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, chaque matin, une voix est venue dans mon esprit d'aller imposer à l'enfant les mains chaque matin, avant même que le médecin ne la touche. D'aller chaque matin. Et le médecin est venu me dire, non, la situation de votre épouse est tellement critique que nous ne savons pas si elle peut arriver demain. Là où elle était, dans les soins intensifs, c'était dans cette porte. Et là, tout droit là, de l'autre côté, c'est la porte de la morgue. Et quand le médecin m'a dit ça, j'ai dit merci, docteur. Et je suis allé à la porte, sans parler. J'ai tourné le dos à la porte de la morgue. Et là-bas, c'était la porte de la réception. Sans parole, j'ai dit, c'est mon Seigneur, ma femme est venue par là. Ici, non. À moins que tu ne sois pas Dieu. Tu es vraiment ce Dieu qui m'a introduit dans le royaume. Parce que la Bible nous dit ceci, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés, dans le royaume de son fils et son amour. Nous avons reçu le pardon et la rémission de nos péchés. Et j'étais là. J'ai dit, Seigneur, c'est fini. Je trace le sang de Jésus là. Amen. La ligne de démarcation est là. C'est fini. Et je suis parti. J'ai dit au docteur, docteur. Et là où était ma femme, il a dit au docteur, appelle mon mari. Ça n'a même pas passé 30 minutes. Appelle mon mari. Je dis, quoi? Maman Rachel. C'est le docteur parce que je m'a dit, maman Rachel, non, appelle mon mari. Elle a vu des choses qu'elle n'a jamais vues. Vous savez, des fois, notre foi est édifiée. Même nous-mêmes, là, quand je parlais comme ça, j'ai tremblé. Sans pourtant le vouloir, parce qu'il y a des autres qui devaient faire facile le faire. Mais moi, je ne veux pas. Parce que même si elle peut aller, même si elle revenait aujourd'hui, je veux la marier seulement elle. Du royaume. Le fils d'Abraham, pourquoi? Parce que Abraham a récupéré son enfant par la résurrection. Amen. 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 Et aujourd'hui, l'évangile, pour que les nations soient bénies, dis avec moi. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Afin que les nominations et les autorités dans les lieux célestes. Non, vous commencez à partir du verset 6. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même.
même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Par l'évangile. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Amen. C'est-à-dire, c'est par l'évangile qu'aujourd'hui les nations sont sauvées. Amen. Les nations ne sont pas sauvées par la religion. Les nations sont sauvées par la proclamation de l'évangile. Qui croit à cela, que vous êtes là parce que l'évangile a été prêché et que vous êtes sauvés. Parce que c'est l'évangile qui est prêché. C'est comme ça que les nations participent aux promesses de Dieu. Vous ne pouvez pas vous réclamer des promesses qui ont été faites à Abraham. Au travers de qui? Parce que la Bible nous dit que toutes les promesses, Galates, le chapitre 4, le chapitre 3, le verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Afin que la bénédiction de qui? Et pour le païen, son accomplissement en qui? En Christ, que nous résistons par ma foi à l'esprit qui avait été promis. C'est-à-dire, toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham ont eu leur accomplissement en qui? En Christ. C'est lui, la semence d'Abraham. Et par l'évangile de Jésus-Christ, vous vous êtes bénis. Et tout autour de vous, les autres peuvent être comment? Bénis. C'est-à-dire, derrière vous, il y a des gens qui n'attendent que vous pour qu'ils soient bénis. Il y a des gens qui n'attendent que vous. Pour qu'ils soient bénis. Dites à quelqu'un, ne mourrez pas avec ma bénédiction. Vous bloquez votre mari. Vos amis qui travaillent avec vous ne savent même pas que vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Vous avez honte de l'évangile. Comme on l'a dit, je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut et qui porte. Je n'ai point honte de l'évangile. Ce soir, nous avons parlé d'avoir et Dieu voulant le même dimanche. Nous allons clôturer pourquoi Jésus-Christ était appelé le fils de David. Amen. Pourquoi David? La royauté. Abraham, c'est pour bénir toutes les nations. Aujourd'hui, si vous êtes bénis, aujourd'hui, si nous sommes bénis, c'est à cause de cette promesse que Dieu avait faite à Abraham et cette promesse qui a eu son accomplissement en lui, en Christ et Jésus. Et vous aussi, vous êtes une source de bénédiction. Amen. Amen. Une source de bénédiction. Amen. Pour vos amis, pour vos voisins, pour ceux qui travaillent avec vous. Il est dit que votre lumière luise devant tous les hommes. Amen. Que l'on croie vos bonnes œuvres afin que l'on glorifie votre Père. Amen. Que l'on voie des valeurs. Même si aujourd'hui les autres font de leur loi. Ils ont des lois contre cette constitution. Vivez la loi de Dieu. Vivez la loi de votre royaume. Là que vous êtes, même si les autres votent leur loi, que vous puissiez vous élever. Dis non, moi. Moi, je n'ai pas un avis à émettre dans toutes vos lois que vous avez. Et moi, je crois à la loi de la constitution. Les anti-valeurs qui sont aujourd'hui votées comme des lois, qui sont coulées comme des lois. Les anti-valeurs qui sont devenues les normes de la vie aujourd'hui. Vous pouvez vous les dire. Moi, je ne vais pas manquer la bénédiction qui est contenue dans cette constitution. Et je ne vais pas non plus vous faire rater ça, vous qui me regardez. Vous qui avez voté cette loi, je ne vais pas aussi. Parce qu'un jour, vous allez rencontrer celui-là. Et je ne veux pas que je sois recherché un jour dans l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Une bénédiction. Nous vous levons ensemble. Les acclamations peuvent être là. Et notre prière est que cette parole soit semée en vous. Si aujourd'hui vous ne connaissez pas,
vous ne saviez pas qui vous êtes. Vous avez su que vous n'êtes pas n'importe qui. Ce n'est pas celui qui me regarde ou celle qui me regarde ce soir. Mais c'est quelque chose qui est en vous. Dieu avait placé son royaume. Et ce royaume était parti à cause du péché. L'atmosphère a changé. C'est pourquoi la mort, comme nous avons entendu, est venue par un seul homme. Mais la vue, la vie et l'éternité est venue aussi par un seul homme, qui est le second Adam, Jésus-Christ. Et sa bénédiction ne suivra d'aucun chagrin. Quand il bénit, il bénit. Même quand les autres vont essayer de vous maudire, lui qui a béni comme Balaam voulait maudire Israël. Et le Seigneur s'est levé à lui. Il lui a dit, celui que tu as béni est béni éternellement. Dieu ne m'a pas dit de le maudire, car je le vois comme un lion qui s'élève, comme Isaac, qui a été poursuivi par son beau-père, un occulte. Peut-être que vous voyez des choses dans votre mariage à cause de ce que les autres appellent de poursuite. Non, non. Lorsque vous êtes dans le royaume, comme Pharaon a poursuivi Israël, il va rencontrer votre Dieu. Il ne faut pas avoir toutes ces doctrines narcotiques qui vous troublent la pensée. Il a poursuivi Isaac. Et Laban a dit à lui, le Dieu d'Abraham, il a dit, j'ai le pouvoir de te faire du mal. Mais le Dieu de ton père Abraham m'est apparu cette nuit. Que je ne dise pas du bien ou du mal de toi. Dieu, dans le royaume, c'est lui-même qui vous protégera. C'est lui-même qui vous gardera. C'est lui-même qui vous guidera. Et c'est lui-même qui vous conduira. Et c'est lui-même qui vous bénira parce qu'il vous a béni. Le début, c'était la bénédiction. Et votre fin, ça ne sera pas une malédiction. Pour le début que Dieu a béni, c'est pourquoi nous sommes ouvrages de Dieu. Ayant été créés en Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Dieu a commencé en vous bénissant. Vous ne terminerez pas par la malédiction. Levons-nous mains là que nous sommes. Levons nos mains, s'il vous plaît. Levons nos mains et sont tranquilles dans la présence de Dieu. Si vous êtes là ce soir, alors que nous sommes en train d'arriver vers la fin de cette conférence, mais avec tout ce que les hommes de Dieu ont parlé ici, qu'est-ce que nous allons dire? Je me suis souvenu que cette parole que nous venons de partager, c'est au bord de l'avion. Je ne suis pas venu avec un message stéréotypé. J'étais seulement dans l'avion. Et quand je méditais, cette pensée est venue dans mon cœur. Clairement, clairement, le roi fils et son influence. Mais si le roi fils habite en vous, il est dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Il dit, l'esprit du fils qui a influencé, cet même esprit habite en vous. Mais avant que cet esprit n'habite en vous, vous devez aussi naître dans ce royaume. C'est la condition sine qua non. C'est la condition première. Être transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Est-ce que vous fréquentez seulement les cercles? Ou bien vous avez expérimenté le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, si vous avez été rétrogradé à cause des situations que vous avez connues ou que vous connaissez, aujourd'hui, revenez à la maison. Reviens à la maison. Vous avez un Père qui vous aime. Vous avez un royaume. Il est dit, ne crains point, petit troupeau. Votre Père vous a réservé un royaume. Un royaume.
Vous êtes fait pour le royaume, mais pas fait pour les ténèbres. Alléluia. Qui peut dire ce soir, je suis là, je me revenir dans mes origines, dans ma source. Je ne veux pas errer comme un oiseau qui erre loin de son nid. Moi, je ne veux pas errer loin de l'éternel. J'aimerais revenir dans la maison. J'aimerais revenir.